Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et le petit Marcel est là. On dirait qu'il a les dents bleues. Vous trouvez pas qu'il a les dents bleues? Il est un peu bizarre ce gosse quand même. Hein? En tout cas, il est là. Pour l'instant, il est sage. Hein? Il gueule pas, il réveille pas ses parents. Il est sage, le petit Marcel. Ah, oh, mais c'est quoi qu'il a sur son petit body? Oh, c'est une banane! C'est vrai que j'ai jamais regardé ce qu'il y avait sur les bodys. J'ai l'impression que c'est nouveau, ça, non? J'ai jamais vraiment, vraiment du tout fait attention. Je sais pas trop. En tout cas, voilà. Dans le dernier épisode, on a perdu Jojo. Jojo, la fondatrice du Decade. Et on va bientôt se retrouver qu'entre deux Saint-Paul et Marguerite, et les enfants d'Albert et Marguerite, quoi. Ah, c'est trop drôle. Allez, Simone, il est l'heure pour toi de te lever. Et nanana de journée. Et en plus, Marcel s'est aussi réveillé. Et on va s'occuper de son cul. Et à Marguerite. Et toi. Et alors, j'ai pas envie d'entendre les hurlements du bébé. Il est 7h30. Allez, Albert, tu vas te divertir toi-même. Amuse-toi. Non, ah non, alors non, il n'y a personne qui va. Voilà, j'ai dit à elle de manger. Elle va pas aller s'occuper de ton enfant. Tu arrêtes maintenant, Marguerite. Viens ici. Simone, tu arrêtes. Putain, mais et c'est sérieux? C'est insupportable. Mais Simone, j'ai dit non, quoi. Oh, je vais m'énerver, hein. Ils ont quoi, les Sims, là, d'entrée de jeu, me péter les noix? Alléluia! Occupe-toi de ton gosse, toi, espèce de débile! Ah, moi, quand il y a un gamin qui hurle, je commence à avoir les neurones qui partent dans tous les sens. Et je m'énerve très rapidement. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, entre ça et le monstre et les lessives, c'est un peu mes bêtes noires. Hein. Mais il pue, ton gosse, Marguerite. C'est marrant, n'empêche qu'il pleure, mais dans les bras, il fait des trucs bizarres. Genre, je suis pas bien, mais en même temps, ça passe, quoi. Mais en fait, non. Allez, pas la peine. Oh, c'est bon, tais-toi. Oh, il gueule encore. Ah non, c'est bon. Oh, tu vas lui parler, et puis. Oh là là, je vous jure, et c'est. C'est à la chaîne, c'est compliqué. Alors, il y a un truc que certaines personnes m'ont demandé. Vous êtes deux à m'avoir demandé d'engager un majordome. C'est vrai que en 1920, on peut se permettre de choper un majordome. Et en fait, j'étais en train de me dire qu'il pourrait effectivement. Oh, il pleut pour changer. Avoir cette chambre ici, qui est une chambre solo. Alors, c'est-à-dire que Marcel, j'aurais voulu qu'il y soit, mais il ira dans celle-là, hein, avec. Voilà. Donc, c'est effectivement, je peux choper un majordome. Parce que moi, je le vois homme, hein, le majordome, et même si c'est une femme, j'espère que ce sera un homme d'ailleurs. Oui. Comme ça, on aura. Il ira ici, quoi. Alors, Marguerite, elle prend son bain, donc c'est Albert qui va s'en occuper. Qu'est-ce que tu fais, Albert? Va manger. Et tu vas acheter un service. Non, alors du coup c'est. Acheter un restaurant, magasin. Acheter un service pour qu'on ait un majordome qui nous fasse à manger, le ménage et compagnie. Ça pourrait être bien. Ok, d'accord. C'était chiant. Hein. Nounou majordome. Pour 175 simflouz plus 12 simflouz de l'heure. Bon, par contre, tu peux reprendre ton sandwich au fromage fondu, tu serais un amour. On verra qui est-ce qui nous arrive en majordome. Hein. Ah, mais on a encore de l'orage en printemps. Météo mystérieuse, d'accord. Alors, si vous pouvez définir les verrouillages de porte pour sa partie de maison. Oui. On va faire ça. Attendez, je mets les murs pour choper la porte. Bloqué pour un signe, c'est verrouillé porte. Tout sauf le monde du foyer. Tout le monde sauf le majordome. Voilà, comme ça, il aura sa propre chambre. Maintenant, j'ai envie de voir qui nous a envoyé. Oh non, c'est une femme! Ben non, mais. Et en plus, elle est noire. Alors, c'est pas ni racisme ni misogyne. C'est que dans
le... Bon, je sais que le ticket d'Ina ne spécifie pas ça, mais dans le challenge de base, et c'est un peu vrai, c'est que normalement les personnes de noir, de certaines couleurs, c'est pas encore autorisé vraiment. Il peut y en avoir, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Il y a eu surtout l'immigration, je crois, avec la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est surtout après ça, je crois. Je suis peut-être très nulle en histoire, mais ne hurlez pas, ne sautez pas au plafond. Mais ce sera pas bon. Je veux pas que ce soit elle. Donc c'est horrible, mais je vais la virer. Majordome. Licencié. Allez. Je suis désolée, mais tu peux pas être une femme et noire. Je suis désolée. C'est horrible. Je sais. Arrête avec ça, Albert. Oh. Allez. Au revoir. Sofra. Ok, tu peux en rappeler un autre. J'espère qu'on peut. Non, mais on pourrait les choisir un peu comme les chiens et les chats, non? Ce serait bien. Parce que là, bon, c'est triste quand même d'engager un majordome qu'on peut pas. On peut pas choisir. J'espère que c'est pas elle qui va revenir. Sinon, on fera avec, hein, mais franchement, ça me fait chier. Je veux pas être méchante, mais voilà quoi. J'ai bien un homme, mais il est asiatique. Allez, je vais, c'est bon, on va arrêter là le massacre. On va l'accueillir et puis basta quoi, parce que sinon on n'y arrivera jamais, on n'aura jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, il prend tout de suite ses fonctions. Très bien, bah écoute, super. C'est magnifique. Oh mon Dieu! Mais t'occupes pas de mon enfant? Ah non, alors les enfants, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 majordome. Responsabilité. Arrêtez de s'occuper des mineurs. Tu t'occupes pas des enfants. C'est nous qui nous occupons nous-mêmes de nos gosses à un moment donné. Ah, ça me plaît pas, moi, un inconnu qui touche à mes gosses. Non. Voilà, fais la poubelle, la bouffe, tout ça, mais ne fais rien d'autre, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est... Quand c'est nous qui faisons nous-mêmes le laver d'enfants, tout ça, quoi. Hein? Parce que sinon, ça coupe la proximité. Oh là, la choupette. Elle est trop mignonne. Et puis, aujourd'hui, nous avons Gisèle qui va grandir. Ah! Ou presque, hein. En tout cas, elle va pas tarder. Germaine, si tu peux... qu'est-ce que tu vas... T'as fait, toi, la petite... Apprendre à parler. Non, tu t'occupes... Je sais pas. Mais tu t'occupes, tu fais quelque chose qui t'occupe. Et après, c'est Paul Alan que tu appelles, je te ferai dire. Mais oui, on n'a pas de télé, ça n'existe pas. Hein. Enfin, ça commence peut-être à exister, mais on n'a pas encore droit à la télé. Bon, Marguerite, viens là. Tu vas tout vendre en carottes et tout vendre aussi en mufliers. Tout vendre en jacinthe, tout vendre là et tout vendre. Ouais, bah non, c'est... On devrait gagner de la thune, hein, quand même. On n'est pas pauvre, hein, je dis pas. Tu as encore changé de fringue? Mais tu vas te changer combien de fois par jour? Est-ce que le majordome s'occupe du linge? Parce que sinon, ça sert à rien. Hein, pour ce qu'il fait, ce qu'il fait, faire ce qu'il fait, ça m'intéresse pas. Mais bon, on va le prendre à l'essai, on verra bien ce qu'il fait. Mince! Germaine, elle commence le boulot! Oh bah non! Germaine! J'ai un super moyen pour toi. De te remonter le moral. Invite Paul Alan, tu vas voir, ça va te remonter le moral de dingo. Il est là, il est là, il est là! Ne t'en va pas! Paul Alan, ne t'en va pas! Tu vas prendre une pause sexy, tu vas l'enlacer tendrement, tu vas devenir meilleurs amis, et tu vas le baiser passionnément, et surtout, surtout, ta 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 ta! Ah oui, bah non, mais elle va pas quitter la maison si elle est pas enceinte. Qu'est-ce que c'est que ça? Morceau d'argile, bah oui, mais c'est très bizarre, pourquoi il a des bouts de bois? C'est trop nul. Enfin bref. Alors Maggie, Marguerite, tu as fini le jardin. C'est parfait. Pendant que t'es là,
tu peux changer l'eau, puis tu vas nouer des liens et récolter le miel. Ce sera pas mal. Je suis pas sûre qu'il s'occupe du linge, le gars. Je suis vraiment pas sûre. Oh oui, les meilleurs amis pour la vie, tout ta 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 ta, petits amis, meilleurs amis. Et un gros bisou. C'est pas grave, tu seras à la bourre pour ton premier jour, mais il y a obligation que tu fasses crac crac maintenant, aujourd'hui, que tu sois enceinte aussi. Voilà. En plus, ton divertissement sera au top. Et puis, bah, ce sera parfait, quoi. Tu pourras déménager dans la foulée. Germaine, Germaine, elle aime bien quand on la traîne. J'arrive plus à faire les chansons en ce moment. C'est nul, je suis nulle, je crains. Sortez les bougies! Germaine et Paul Alan vont nous faire des petits! C'est bien, au lieu d'aller travailler, elle prend son pied. Ah, c'est une bonne manière d'arriver en retard au taf. Je me demandais ce qu'il faisait et il était en train de nettoyer la baignoire. Super! Super. Pour l'instant, il a rangé tous les jouets, même si je lui avais pas demandé. Sachant que j'aime bien qu'il y a des jouets qui traînent un peu partout, parce qu'au lieu d'aller chercher tout le temps dans les packs de jouets, parce que c'est chiant. Mais bon. Qu'est-ce que t'as, Marguerite? T'es coincée? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle regarde juste sa petite. Ok. Est-ce que la petite, elle a besoin d'aller? Non, bah, elle est bien, la petite. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu peux lui apprendre des trucs. Soins donnés au bambin. Non, alors pas les soins, éducation. Satisfaire les besoins. Bah non, comment. Qu'est-ce que je fabrique, moi? Tu vas lui apprendre à parler. Oui, ça pas à pas les moments et il neige dehors. Météo mystérieuse. Voilà. Ça pleut, ça pleut. Et dis donc, est-ce que tu t'es fait piquer par les abeilles? Je suis pas sûre, hein. Résolution à tenir. Dernier jour! Mince! Ah bah non, alors tu vas pas apprendre à ta fille à parler? Impressionner le patron. Albert a impressionné son patron pour obtenir une promotion. Comment doit-il procéder? Faire des heures supplémentaires, s'occuper d'une tâche secondaire. On va faire une tâche secondaire. Gros gain de performance! Oh, c'est cool! Ah, logiquement. Oui, il a sa promotion et ça, c'est bien. Donc, Maggie, Marguerite, tu arrêtes et tu vas aller courir tout de suite. Voilà, comme ça. Ah, il froid. Bah oui, il froid parce qu'il neige. Mais ouais. Ok, tu vas jouer à la poupée, tu feras les cubes aussi après, s'il te plaît, ma cocotte. Et pendant ce temps. Oh, Marguerite! Oh, elle a échappé de belle! Elle a failli se faire écraser par le tram. Bon, Marguerite, elle court, hein. Elle court, elle court, Marguerite, pour perdre ses petits kilos dès ses grossesses à outrance. De ces petits bambinouches. Oh, toutes les fleurs, qu'est-ce que c'est chou! Bon, j'espère qu'elle va tenir sa résolution, parce que sinon elle va. Il reste 17 heures. Bon. Après, en même temps, même Albert, il a soi-disant réussi son truc, mais j'ai pas vraiment vu de différence. Donc, bon. Oh, il y a encore les tas de feuilles de l'automne, alors qu'on est au printemps. Tout va bien. Ils doivent puer la mort, quoi, ces trucs-là. Ouh là là, Gisèle va grandir. Germaine a rencontré Juliette. D'accord. Gisèle va fêter son anniversaire, on va le faire. Ouais. Oh là là, dépêche-toi, Marguerite. Là, je le supporte pas quand il pleure, ce petit. Oh, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Très bien, tu vas faire un gâteau. Je suis pas sûre que le butler il peut se faire, donc on va faire un gâteau pour Gisèle après. Pour fêter son anniversaire, qu'elle grandisse, sera une petite fille. Mais quoi? Mais elle a fait un gâteau et ce débile! Ah, mais c'est pas vrai! Mais quand je vous dis que c'est de la merde et majordome. Elle est en train de faire un gâteau, le mec il a vidé le four, mais non! Il l'a foutu à la poubelle, il sert à rien ce gars! Oh, il y a une maison qui est cassée, il va pas la réparer! Ah, j'en ai marre! J'en ai marre! Ah, et Albert a eu sa promotion quand même, donc alors. Il a gagné 900 heures. Il sera première partie. 14 simflouzes de plus par heure, soit 54 simflouzes de l'heure au total. Il a
brossure en peau du sein, c'est quand même la 15e chose. Chaîne. Alors, roque d'antan, mais on va la garder dans le. Comme ça, on la ressortira plus tard, hein, pour les années qu'il faudra. Ok, très bien. Albert est arrivé. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, puis on a anniversaire de Marcel. Très bien. Albert, tu vas venir ici également. On va fêter l'anniversaire de Gigi. Viens, ma Gigi. Le temps que tu te réveilles et tout. Oh, et là, elle dort ici, d'accord. Mais non, je suis pas contente, quoi. Le majordome, il sert pas à grand-chose. Arrête, travaille, cocotte, là. Marguerite. Arrête de prendre trois plombs pour faire un gâteau. Sinon, on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu fous dans un gâteau? Tu fous du poison ou quoi? Non, mais dis donc. Ah. Mets les bougies. Non, parce que c'est pas sur le bon truc. Mets les bougies. Ok, c'est bon. Tu sais quoi? Après, tu t'en vas. Je veux plus te voir. Tu me casses les pieds. Tu vas utiliser ça et tu vas jouer dans le bain. Allez. Parce que tu pues en plus, donc voilà. C'est Albert qui fêtera l'anniversaire de sa fille. Pour l'instant, c'est la seule qui lui ressemble un peu au niveau physique, puisque c'est la seule qui a les yeux verts. Voilà. Dis donc, toi! Arrête de faire ta crise! Eh ben, tu vas te coucher si t'es fatiguée. À un moment donné, qu'est-ce que je te dise, moi? T'es bête ou quoi? Irène? Oui! Alors, elle est deux en créative. Oh, voilà, moi, je vais pas faire... hein. Petite Gisèle, qu'est-ce qu'on va faire comme trait? Oh, j'en ai marre de mettre toujours les mêmes choses en fait. Il y a trop peu de trucs pour moi, je trouve. Allez, extraverti. Voilà, Gisèle a grandi. Gisèle est une petite fille. Et là, il y a tout le monde qui lui envoie des cadales. Tu peux prendre un morceau. Qu'est-ce que tu vas chialer? Qu'est-ce qu'il y a? Très triste. T'as fait un cauchemar. Non mais c'est plus de ton âge les cauchemars. Oh là, le look. Ça ne va pas. Oh, elle est mignonne. J'ai l'impression qu'elle va ressembler à Albert un petit peu. Et Albert, tu peux lui apprendre des choses. Tu peux lui mener sa journée. Tu peux faire des yeux ronds. Discuter de ton groupe préféré. À prendre la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un... Comment ça s'appelle? Ah bah elle est revenue. Oui, on a un fantôme. Ah, je vais y arriver. On a un fantôme qui a débarqué. Je sais pas où il est. Mais on a un fantôme qui est là. Oh! C'est Jojo! C'est Mamie Jo! Ah, bah t'es arrivée juste trop tard. C'était l'anniversaire. Pourquoi t'es tout... Tu vas tout casser, je le sens. Pourquoi t'es en colère, Jo? Je comprends pas. Oh, il y a Marcel qui demande de l'aide. Tu peux changer la couche et le bercer. Et après, tu vas te coucher, Maggie. Mais en plus, t'as même pas été. Elle m'énerve. Elle m'énerve, là. Elle commence sérieusement à m'énerver, elle. Hein. Je lui ai demandé de prendre la main. Elle a même pas été parce qu'elle est toujours dégueulasse. Oh, ça m'agace. Faut que je reste zen là. Bon, elle est enceinte. Elle est enceinte. Il est non 2 h du matin. C'est dommage. Tu partiras pas encore aujourd'hui. Oh non, Albert, il est tombé. Tu vas aller te coucher et ça ira mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie. D'accord. Albert, je savais pas que t'étais si crevé. Hein. Maintenant, on va lui donner un lit. Ah, Gisèle, on va lui donner ce lit ici. Tu vas pleurer si tu veux et puis tu vas dormir, quoi. Ce sera déjà pas mal. Albert va au lit. Voilà, à côté de sa femme qui pue. Sa femme qui pue et qui a un sacrément ingrat et elle commence sérieusement à me péter les noix, mais bon. Et Gisèle va au lit. Et bien sûr, je l'aurai relooké pour le prochain épisode. Et... Je pense que tout le monde est au lit et donc je vais pouvoir vous quitter là-dessus. J'espère en tout cas que cet épisode un peu n'importe nawak vous aura plu. J'aurais un peu ragé, hein, comme vous aimez que je rage. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!